Fox, la troisième prépa métier. C'est une classe de troisième qui privilégie effectivement l'accès à la voie professionnelle. Alors une classe de troisième spécifique qui prépare effectivement à rentrer dans la voie professionnelle, que ce soit vers un CAP, mais avec une prédilection sur la seconde professionnelle. Alors, info, effectivement, c'est à l'issue de la classe de troisième qu'on peut commencer à s'insérer dans la voie professionnelle pour aller soit vers un CAP, soit vers un bac professionnel, que ce soit par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage. On peut quand même préciser que l'accès à la voie professionnelle peut se faire à différents niveaux, que ce soit après la troisième, que ce soit par des passerelles, par exemple après une classe de seconde pour rejoindre la voie professionnelle, que ce soit après un bac, de quelque type qu'il soit. Donc voilà, préciser que l'intégration de la voie professionnelle peut se faire à différents niveaux. Alors un TOCS, la voie professionnelle permet tout à fait d'accéder à des études longues. Après un CAP, on peut poursuivre des études vers un bac professionnel, vers des études aussi en alternance de type brevet professionnel. Et après un bac pro, en terminale notamment, on bénéficie d'un module qui s'appelle poursuite d'études et donc qui va préparer justement une poursuite d'études de façon privilégiée vers un BTS, qui va être la voie la plus fréquemment suivie par les élèves de bac pro, mais également une poursuite d'études est envisageable vers des classes préparatoires grandes écoles pour intégrer éventuellement des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Il existe également la possibilité d'intégrer les BUT en passant par l'ENEPS, qui est l'École nationale de l'enseignement professionnel supérieur. Donc oui, il est tout à fait possible d'intégrer les études supérieures après la voie professionnelle de lycée. Alors, un TOCS, après un BTS, on peut poursuivre des études. La majorité des élèves de BTS vont poursuivre leurs études vers une licence professionnelle. Mais il est également possible pour des élèves sortant de BTS de passer par une classe prépa qu'on appelle ATS, qui va permettre de rejoindre là encore des écoles d'ingénieurs, écoles par exemple vétérinaires. Donc il est tout à fait possible de poursuivre des études après un BTS.